Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 19 avril 2023. 9h24, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi. C'est vraiment très apprécié. On peut avoir toutes sortes de vues politiques, de différences idéologiques, religieuses, de foi, peu importe. Mais on a toujours vécu dans l'harmonie, et on a toujours débattu d'idées, et on a toujours eu ces différences. Et là, soudainement, pour une raison obscure ou non, vous la connaissez peut-être, l'establishment, les médias, la classe dirigeante, les gens qui oriente les politiques de nos gouvernements du monde comme Klaus Schwab, le Forum économique mondial, Bilderberg, l'ONU, l'Union européenne, la Commission européenne, tout du monde non élu, pour une obscure raison, veulent plus débattre. Évitent tous les débats aux élections, on a vu ça aux dernières élections aux États-Unis, que ce soit présidentiel ou demi-mandat, il n'y a pas longtemps. Tous les candidats démocrates, ou presque, ont refusé tout débat contre les républicains parce qu'ils savent qu'ils perdraient et se feraient battre à plate couture. Parce qu'ils ont un agenda complètement hystérique, complètement irrationnel et qui va à l'encontre de tout principe d'équilibre et de logique. Et que le discours qu'on appelle républicain ou conservateur vient rejoindre beaucoup plus de monde qu'on le pense. L'ensemble de la population, peu importe la race, l'orientation sexuelle ou la religion. Le sens commun, la rationalité, c'est ce qui rejoint le monde. Les gens n'ont aucune voix, se font, on pourrait dire, harcelés, se font étiqueter, ceux qui ont le courage de parler, hein, et de contredire tout ce que la classe dirigeante nous met dans la face via les médias et via la bouche de nos politiciens qui sont les mégaphones de nos cravatologues et de cette petite clique qui nous gouverne. Et étiquette tous ceux qui se s'aplaventrissent pas, qui se prosternent pas devant eux, les traitent de tous les noms. Donc, la population ordinaire, le monde ordinaire, ont peur. Quand ils voient ça, ils se disent, ouais, nous autres, on voudra pas se faire étiqueter de suprémacistes, racistes, xénophobes, homophobes. Donc, on va pas se mêler de ça, on va s'en aller dans l'autre camp, parce qu'on veut la paix. C'est comme ça que ça fonctionne, puis vous le savez. Mais quand tu les rencontres, ces gens-là, parce que moi, je suis serveur, tu rencontres ce monde-là dans la vraie vie et tu leur parles un à un, sans qu'il y ait d'autres oreilles étatiques ou de services de renseignement qui t'écoutent puis qui vont venir t'étiqueter de toutes sortes de qualificatifs, bien, tu te rends compte que tu pensais que c'était des gauchistes stoïdes, mais non. C'est du monde qui a une tête sur ses épaules. Et c'est du monde qui pense comme toi, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas être dérangés. Ils n'ont pas le courage peut-être que tu as, toi, qui est sur les réseaux sociaux, et qui n'a pas l'air de trop déranger, de te faire étiqueter, comme moi ou plein d'autres. D'ailleurs, je salue des gens que je rencontre au restaurant, qui me reconnaissent, ou à l'épicerie. J'ai eu Marie-Claude qui est venue au restaurant, une femme extraordinaire avec son mari, dimanche. Elle me dit « Hey, c'est toi ça, hein? Sur YouTube? » J'ai dit « Oui, c'est moi. » Et j'en ai rencontré une hier, Gigi, chez Maxi, qui m'a arrêté et qui était tellement contente de me parler. Puis je vous avoue, ça me fait vraiment plaisir quand ça arrive. Puis c'est du monde, tu te rends compte qu'ils pensent comme toi. Nous autres, on est ouverts à tout. Moi, je suis ouvert à tout. Je n'ai pas vraiment d'étiquette politique. Juste avec... Parce que tu le sais que tu vas toujours avoir un gouvernement, tu vas toujours avoir un système, tu vas toujours avoir un système policier, un système judiciaire, des taxes, des impôts. Tu ne peux pas t'en sortir de ça.
Est-ce qu'il y a moyen d'avoir du monde qui nous représente? Parce que c'est ça, apparemment, la démocratie. Là, il n'y a plus personne qui représente la volonté du monde. La volonté du monde, c'est pas la folie hystérique qu'on voit dans les réseaux sociaux, dans les gouvernements maintenant, avec des programmes politiques, des orientations politiques complètement surréalistes. Donc, tu fais face à ça et ces gens-là évitent tous les débats et en plus, arrêtent pas de déformer la réalité. Il y en a d'autres qui appellent ça, n'arrête pas de mentir, mais disons juste déformer la réalité. Hein? Lui donner une autre forme. Puis tu le vois, c'est continuel. Et là, on va aller écouter Elon Musk qui remet à sa place un journaliste de la BBC, un jeune insignifiant. Puis là, c'est là que tu vois que les journalistes, c'est plus des journalistes. C'est juste des porte-paroles puis des mégaphones du même système. Tout l'establishment, tous les oligarques contrôlent les médias. Et tout ce monde-là sont dans le même lit à pousser le même agenda, c'est-à-dire, tu te demandes c'est quoi? C'est l'auto et c'est la destruction et l'autodestruction du monde occidental. Eux autres, ça les fait suer, les oligarques, qui est une partie de la population mondiale qui se soit élevée de la misère pendant qu'eux sont toujours dans l'opulence. Ce que déteste l'élite, tu remontes au Moyen-Âge, tu remontes à toutes les époques, c'est que le petit monde se sorte de la misère. On aime avoir nos misérables. Et d'ailleurs, c'est ça leur mentalité. Puis d'ailleurs, c'est tous des Blancs, que tu t'en ailles dans tous les forums économiques, Bilderberg, toutes les COP 1, COP 2, COP 3, toutes les pseudo réunion pour sauver la planète, les John Kerry de ce monde, les Al Gore de ce monde, puis les Klaus Schwab de ce monde, tous des Blancs. Et tout ce monde-là qui se sont tous enrichis avec l'industrialisation, avec le capitalisme, avec les énergies fossiles, maintenant veulent empêcher le monde en développement. Ce qu'on appelle hein, l'autre partie de la planète qui, malheureusement, ont juste été exploités toute leur vie. On leur a donné toujours des gouvernements corrompus, totalitaires, pour qu'on puisse leur voler leurs ressources naturelles et vivre toujours à un âge technologiquement puis de confort vraiment primitif. Là, maintenant que nous autres, on a eu ça, ils veulent nous l'enlever. Puis eux autres, ils gardent toute la richesse, puis ils veulent empêcher une autre partie, la plus grande partie du monde, de la population mondiale, à accéder à de l'électricité, à du chauffage, à de la climatisation, à une voiture, à ceci, à cela. Puis tu remarqueras, tout ce monde-là, c'est tout des Blancs. OK? Donc, Elon Musk, qui a acheté Twitter, a été démonisé. Elon Musk, qui était le petit chouchou de tout le monde, là, maintenant, puis il n'est pas parfait, mais il a acheté Twitter pour ramener un équilibre, parce que Twitter, c'était l'outil de toute la classe dirigeante, puis il s'amusait avec ça. Puis il s'amusait surtout à censurer tout discours qui n'allait pas dans leur direction à eux. C'est ça qui est important. Ça, c'est au-delà des races, au-delà des religions, au-delà des orientations sexuelles, là. C'est important de comprendre ça. Ce qui se passe en ce moment, parce que ça te permet de comprendre toute la manipulation de l'information. Tu ne sais pas ce qui se passe en Europe dans le conflit actuel. Il y a un jeune de la garde nationale de 21 ans qui s'amusait sur un site de gamer, Discord. Il a réussi à mettre, lui, la main. C'est bien. Ça sent vraiment bizarre, cette histoire-là, de ce jeune qui a été arrêté par le FBI parce que le Washington Post a fait une enquête en allant demander à des parents d'interroger un gamer de 16 ans qui connaissait celui qui avait ces documents-là entre les mains. Donc là, tu es rendu avec des médias qui jouent le rôle de policiers pour essayer de découvrir qui est la source de documents qui ont été coulés, qui t'apprennent que le gouvernement te ment. Moi, je ne sais pas, mais j'avais comme concept d'un journaliste ou du journalisme que c'était justement le rôle de protéger les sources qui te
démontre et qui te prouve que ton gouvernement est un menteur, un manipulateur. Mais là, on est rendu dans un monde où les médias sont devenus les services de police, des services de renseignement puis du gouvernement. Donc, eux autres sont allés enquêter le Washington Post. Et c'est important, là. Ils sont allés, parce qu'ils ont trouvé un jeune de 16 ans, il fallait qu'il demande la permission des parents pour lui parler. Puis ils l'ont interrogé, puis ça les a menés au jeune de 21 ans, le leaker. Puis ils ont remis ça au FBI, puis ils sont allés l'arrêter. Puis après ça, tu as tous les médias qui n'ont pas arrêté de questionner les gens du Pentagone pour leur demander « Mais comment ça se fait qu'il y a autant de coulages? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se fait que vous n'êtes pas plus réveillé, que vous n'êtes pas plus agressif? Est-ce que vous allez l'envoyer en prison? » Alors que la réaction des journalistes et des médias, ce qui aurait dû être normal, c'est « Hey, comment ça se fait que vous nous mentez? Comment ça se fait qu'on vient d'apprendre par des documents qu'un jeune avait de la garde nationale? » Ça vient faire quoi, là, avec les services de renseignement? Comment ça se fait qu'il a mis la main là-dessus, lui? Mais il nous apprend que vous nous mentez. Il y a des bottes sur le terrain, là-bas. Puis vous ne voulez absolument pas, parce que les deux grosses informations qu'il nous a apprises, ce jeune homme-là, c'est qu'il y a des bottes sur le terrain, là-bas. Il y a un service des opérations spéciales américaines et de l'OTAN qui sont là. Puis que l'administration Biden ne veut rien savoir d'un traité de paix, au moins pour toute l'année 2023. Les journalistes auraient dû assommer les gens du Pentagone avec ces questions-là, les talonner, leur dire « Comment ça fait que vous nous mentez, mentez, mentez? » Non! Au contraire, ces gens-là ont dit au Pentagone « Hey, comment ça fait que vous laissez des trucs couler comme ça? C'est des traîtres, ça met de la sécurité du pays en danger. » Are you kidding me? Là, on est rendu dans ce genre d'univers-là. Moi, je ne sais pas, là, mais c'est pas des bonnes nouvelles pour tout le monde, pour le gauchiste, comme pour qui que ce soit d'autre. Quand on est rendu à avoir des médias qui sont des policiers maintenant pour le gouvernement. Puis si ça se passe aux États-Unis, viens pas me dire que ça se passe pas en France, viens pas me dire que ça se passe pas au Canada, puis ailleurs. On va aller écouter cette entrevue où le gars a Elon Musk, puis lui dit, là, depuis que vous avez acheté Twitter, il y a pas mal plus de discours haineux, puis il y a pas mal plus de ceci, puis Elon Musk lui dit quoi? Donne-moi un exemple. Puis le gars, il n'a jamais été capable de donner un exemple, parce que c'est du mensonge. Il y a moins de discours haineux depuis que Elon Musk a acheté Twitter qu'avant. On va aller l'écouter, c'est vraiment fascinant. Comment il le remet à sa place, puis comment ce journaliste-là de la BBC, pas fort le BBC, là, tu sais, c'est toute la télévision d'État. Radio-Canada, c'est pas une télévision publique, télévision d'État. En France, je sais pas, je pense que c'est TF1, télévision d'État. BBC, télévision d'État. Ça veut dire quoi? T'es là pour mentir au nom de l'État. On écoute ça. Je vais vous le traduire quand c'est le temps de traduire, là, mais on laisse rouler un petit peu. You don't like or hateful. What do you mean to describe a hateful thing? Décris-moi c'est quoi un discours haineux. Parce que là, tu me dis qu'il y a plus de discours haineux sur Twitter. Yeah, I mean, you know, just content that will solicit a reaction. Donc, des contenus qui vont solliciter une réaction. Ah, OK, dès que on sollicite une réaction, c'est un discours haineux. C'est quoi cette affaire-là? Something that may include something that is slightly racist or slightly sexist. Ça peut contenir aussi des choses qui sont slightly racist, slightly sexist, comme un petit peu raciste ou un petit peu... C'est quoi un contenu un petit peu sexiste? Lui demande Elon Musk, un petit peu sexiste. Donc, faudrait bannir un contenu un petit peu sexiste. Ça veut dire quoi, ça? Those kinds of things. So you think if something is slightly sexist, it should be banned? Donc, toi, tu veux me dire que quelque chose qui est... Oh, un peu sexiste, ça devrait être banni? Non, je dis rien, moi, là, ben... Ben, moi, je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux dire par discours haineux. Content. And I'm asking for specific examples. Je te demande un exemple spécifique. Et là, tu viens juste de dire que si quelque chose est légèrement sexiste, that's hateful. C'est haineux. Content. Does that mean that it should be banned? Ça veut-tu dire que ça devrait être banni? Well, you've asked me whether my feed.
Ben, tu me demandes quelles sont mes sources ou d'où je tiens ça. Whether it's got less or more, I'd say it's got slightly more. That's why I'm asking for examples. C'est pour ça que il dit, je te demande des exemples. Can you name one example? I honestly don't need. Honestly, you I don't. You can't name a single example. Tu peux pas me donner un seul exemple de discours haineux que t'as trouvé sur Twitter depuis que j'ai acheté Twitter. I'll tell you why, because I don't actually use that for you. Ben, je veux dire, j'utilise plus vraiment Twitter. Feed anymore because I just don't particularly like it. Actually, a lot of people. Parce que j'aime plus ça. A lot of people are quite similar. I only look at my followers. You said you've seen more hateful content. Ben là, tu es en train de me dire que tu as vu plus de discours haineux sur Twitter, mais en même temps, tu me dis que tu n'es plus sur Twitter. Branche-toi, là. You can't name a single example. Et puis, tu ne peux pas me donner un seul exemple de discours haineux. Not even one. I'm not sure I've used that feed for the last. Ben, ça, il dit, je ne suis pas sûr, mais je pense que je n'ai pas utilisé Twitter depuis 3 ou 4 mois. 3 ou 4 weeks. And I... Oh, 3 ou 3 ou 4 semaines. Mais comment tu fais pour voir les discours haineux si tu n'es pas sur Twitter depuis 3 ou 4 semaines? Because I've been using Twitter since you've taken over for the last 6 months. Okay, so then you must have at some point seen it. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, tu dois avoir vu des discours haineux si tu me dis qu'il y en a. For your hateful content. I'm asking for one example. Je te demande un exemple. Right. And you can't give a single one. And I'm saying... I say, sir, that you don't know what you're talking about. Ben moi, je te dis que tu ne sais pas de quoi tu parles. Really? Yes. Oh, vraiment? Because you can't give me a single example. Parce que tu peux pas me donner un seul exemple. Of hateful content, not even one tweet. Pas seul, un seul tweet. And yet you claimed that they... Et là, tu déclares, comme tous les médias l'ont fait, sans aucune preuve, que parce que Elon Musk a acheté Twitter puis il l'a enlevé des mains de l'élite globaliste, mondialiste, gauchiste, web. Oh, il y a du discours haineux, ils font juste dire des choses, mais il n'y a jamais une preuve pour appuyer leur dire. The hateful content was high. Well, that's a false. No, what I could just lied. What, no. Il vient juste de mentir, là, il lui dit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment ces gens-là sont sans scrupules. Ils sont vraiment sans scrupules. C'est honnêtement renversant. Maintenant, on va aller écouter Donald Trump, qui était naturellement Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important. Quand tu regardes le monde d'aujourd'hui comparativement au temps où Donald Trump était président, il y a tout un écart, il y a tout un changement qui s'est produit. Je sais pas si tu as remarqué. Si le monde est plus pareil. Puis c'est pas pour le meilleur. C'est pour le pire. OK? Donald Trump va gagner la primaire républicaine s'il l'envoie pas en prison. Là, parce que c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de l'arrêter. Parce qu'il est encore tellement populaire. D'abord, il est en avance de tout le monde au niveau du Parti conservateur, du Parti républicain. Il n'y a personne qui peut le déloger, il va être élu, même si tu n'as même pas besoin d'une course, là, tellement il y a un écart entre les concurrents. Puis, il va être réélu président en 2024 s'il ne se fait pas arrêter et emprisonner. Et c'est la seule façon que le système globaliste peut arrêter ce gars-là de revenir. Parce que même s'il était le président des États-Unis, Donald Trump, il a parlé au nom de beaucoup de monde. Tu t'en allais en Inde, moi j'ai des amis en Inde, ils adoraient Donald Trump. Au Pakistan, ils adoraient Donald Trump. Partout, dans des pays musulmans, dans des pays chrétiens, dans des pays juifs, dans des pays que tu peux même pas imaginer, Donald Trump était adulé. Pourquoi? Parce qu'il parlait au monde ordinaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un candidat ou un politicien, même si lui, ce n'est pas vraiment un politicien de carrière, qui parlait au monde ordinaire. Et non pas à l'élite des grandes villes, puis à l'élite du globalisme, puis à l'élite des financiers, puis à l'élite du Forum économique mondial, puis de Bilderberg, puis des médias, puis des petits intellectuels, qui sont tous probablement qu'ils s'ennuient tellement tous qu'ils veulent sauver la planète. Mais ils veulent surtout empêcher le monde en développement de se développer. Puis ils veulent détruire ceux qui se sont développés.
Donc, tu avais quelqu'un qui parlait le langage du monde ordinaire, puis c'est venu les chercher de toutes les races, de toutes les couleurs, puis de toutes les affiliations politiques et de toutes les affiliations religieuses. Ça a été un gros mouvement, que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou pas, puis tu vois, les médias sont... Elon Musk vient de te le démontrer, sont des manipulateurs, puis des déformateurs de la vérité. Quand il parlait toujours de Donald Trump, il déformait toujours la réalité, il te montrait jamais vraiment qu'est-ce qu'il avait dit ou qu'est-ce qu'il avait accompli, c'était juste des petits extraits pour te le faire démontrer comme soit sexiste ou soit raciste. Alors que le parti conservateur sous Donald Trump a connu une explosion de popularité auprès de la communauté latino, afro-américaine et asiatique. Moi, je sais pas, là, mais c'est pas du monde qui sont, masochistes, là. Si Donald Trump est raciste, moi, je veux savoir comment ça se fait que le Parti républicain n'a jamais été aussi populaire auprès de la communauté latino, la communauté afro-américaine, puis la communauté asiatique. Donc, tu le vois, encore là, c'est une manipulation, une déformation de la vérité. Que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important. Ces politiques étaient efficaces parce qu'elles ciblaient le monde ordinaire. Et pourquoi tu penses qu'on met tous les efforts au niveau des services de renseignement américains qui laissent faire tout ce que tu peux imaginer du côté des démocrates puis de Joe Biden, la corruption, les documents classifié que Biden a depuis des décennies, ça traîne dans son garage, ça traîne à gauche puis à droite. Mike Pence, l'ex-vice-président de Donald Trump, qui a avoué qu'il y avait des documents classifiés qui traînaient partout lui aussi. Toutes les Barack Obama, des millions de documents classifiés qui traînent partout. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais Donald Trump, lui, soudainement, ça, c'était devenu un problème. On a même dû, imagine-toi, faire une descente avec le FBI armé jusqu'aux dents chez Donald Trump à Mar-a-Lago, puis aller fouiller dans un tiroir de Melania Trump pour sentir ses petites bobettes, pour essayer de voir s'il n'y avait pas des... Puis là, ils ont tout étalé par terre, puis ils ont pris des photos, ils ont coulé ça aux médias en disant, vois-tu, Donald Trump, il laisse traîner ses documents partout. C'était du n'importe quoi. Tous les médias sont contre Donald Trump, parce que les médias sont propriété de l'élite du Deep State, de la clique qui gouverne le monde. Puis comment tu peux influencer le monde? C'est pas par un pays anodin. Sans offense pour quelque pays que ce soit, là, mais si toi, tu fais partie, puis t'es la classe dominante, tu vas passer par quel pays pour influencer tout le monde? Ben, par le pays le plus puissant. Tu vas vouloir contrôler le pays le plus puissant. C'est à ce que je sache, j'ai un nouvel ordre, là. Le pays le plus puissant, que tu le veuilles ou non, c'est encore les États-Unis d'Amérique. Donc, d'avoir George Soros, Klaus Schwab, puis toute la clique de toute l'industrie bancaire et financière qui nous gouverne, les Rothschild, les Rockefeller, via toutes les organisations non gouvernementales bidons, c'est quoi leur but? Les Bill Gates de ce monde, c'est de contrôler les États-Unis. Contrôler le gouvernement des États-Unis, contrôler les médias américains, contrôler les services de renseignement américains. Parce que si tu fais ça, tu contrôles le monde. C'est comme ça que tu vas faire passer ton message. Et c'est pour ça que c'est tellement important, puis c'était tellement important la victoire de Donald Trump, parce qu'il prenait le contrôle du pays le plus puissant au monde. Il est allé aux Nations Unies, je ne sais pas combien de fois, à chaque session annuelle, pour faire un discours, pour dire à tout le monde, vous êtes tous des cabochons, là, vous êtes tous des corrompus, vous ne faites rien. Il y a à chaque rencontre qu'il y avait avec un dirigeant international, ça devenait un spectacle d'exposition de l'élite et de la classe dirigeante. Pourquoi tu penses que ça les a fait vraiment suer, puis que là, on met tous les efforts, le FBI, la CIA, puis le monde entier, pour essayer de coincer Donald Trump d'une façon ou d'une autre, pour s'en débarrasser, parce que c'est comme la sangsue que tu as sur la cuisse, il te lâche pas. Puis que tu sois de quelque allégeance que ce soit, tu devrais, en tant que citoyen ordinaire, te délecter de ça, savourer ça. Moi, je ne sais pas, mais Emmanuel Macron, il ne me fait pas triper, là.
Justin Trudeau, il me fait pas triper, là. Il me représente pas. Il représente qui, ce monde-là? Les dirigeants européens, ils représentent qui? Tu sais, ça veut dire qu'ils représentent le peuple? Parles-tu au monde? Tu le sais, tu fais partie du vrai monde. Y a-tu quelqu'un vraiment qui est représenté par Klaus Schwab? Par von der Leyen? Par Emmanuel Macron? Tu vas me dire qu'Emmanuel Macron, si tu compares ça à Donald Trump, voir. Wow. Hein? Puis ça, c'est sans allégeance politique. Moi, c'est juste en tant que spectateur, je me dis, il en donne un vrai bon spectacle, lui. Puis, il a éveillé beaucoup de monde. Il a éveillé beaucoup de monde. Hey, quand tu dis que le Parti républicain, dans son histoire, n'a jamais attiré autant de latinos, d'afro-américains puis d'asiatiques, puis toi, tu veux me dire que Donald Trump est raciste? Nonobstant le fait qu'il ne peut rien changer, là, mais c'est juste qu'au moins, pendant un certain temps, on se fait représenter. Puis ce qu'ils veulent pas, c'est surtout qu'ils reviennent, parce que s'ils reviennent, écoute son plan. C'est quoi son plan à Donald Trump? Tu veux savoir pourquoi ils veulent le bloquer, ce gars-là? Écoute ça. If you put me back in the White House, their reign is over. Their reign will be over. Si vous me remettez à la Maison-Blanche, si vous me réélisez président, leur règne est terminé. Là, ils parlent de l'élite, puis ils parlent de l'establishment, puis ils parlent de la classe dirigeante mondiale. Qui est infiltré aux États-Unis indirectement, là, directement. Il dit, si vous me réalisez, leur règne est fini. Pourquoi tu penses qu'ils mettent tout l'effort? Ce gars-là, qu'est-ce qu'il a accompli comme, qu'est-ce qu'il a fait comme crime? Quand tu as du monde comme George W. Bush, avec les démocrates, avec les républicains, qui ont tous voté pour aller envahir l'Irak sur un document mensonger, fabriqué de toutes pièces du FBI puis de la CIA, pour aller renverser Saddam Hussein sous des faussetés qu'il avait des armes de destruction massive. On est allé détruire ce pays, on a tué au fil des ans plus d'un million d'Irakiens, sans vergogne, sans conséquences pour ce monde-là. Puis toi, tu veux me dire que Donald Trump, c'est un criminel parce que, comme tous les autres présidents, il a amené des documents qui sont à lui, des documents qui peuvent appartenir au président, qui sont des documents présidentiels. Puis que tous ceux qui ont voté pour cette guerre-là du Golfe 1 et 2, puis l'invasion de l'Afghanistan qui a continué pendant 20 ans avec de la corruption, puis des attaques de drones, même sous Barack Obama, qui ont tué des milliers d'innocents, que lui, Donald Trump, c'est un criminel? De quoi? Vois-tu les médias, comment ils sont complètement, mais sans aucune crédibilité? Sans aucune crédibilité? C'est pas que je vais prendre, je fais juste analyser ça en tant que quelqu'un qui regarde ça d'une autre planète. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe sur cette planète-là? On continue. And they know it. And America will be a free nation once again. We're not a free nation. Ils savent que si je reviens, je les élimine, puis on va redevenir une nation libre, parce qu'ils disent on n'est plus une nation libre. Puis ça, c'est pas... Je veux que tu comprennes que t'aimes les États-Unis ou non, c'est pas vraiment important, parce que tout ce que t'as en ce moment, puis ce que tes parents ont eu au fil du développement, c'est grâce à la liberté, puis c'est grâce, entre autres, aux États-Unis d'Amérique, puis à leur modèle. Moi, je ne sais pas, mais le modèle, par exemple, d'un régime théocratique comme celui de l'Iran, puis je ne veux pas le critiquer, là, mais c'est pas vraiment ça qui m'attire. Je pense pas qu'il y a grand monde qui soit attiré par ça, là. Si tu veux un modèle de vie harmonieuse entre tout le monde, puis de bien-être pour tout le monde, pas juste pour la classe dirigeante, il me semble que le modèle américain... C'est un des meilleurs. Puis si on est en train de le faire disparaître, c'est pas une bonne chose pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. Ben, de nous autres, du monde ordinaire. On n'a plus de liberté de presse, on n'a plus rien. Non, parce que la presse, les médias sont d'une corruption et je viens de te le démontrer par plein d'exemples. In 2016, I declared...
I am your voice. En 2016, je vous ai dit, je suis votre voix. Today I add, I am, aujourd'hui, j'ajoute, I am your warrior, I am, je suis votre guerrier. I am your justice. Je suis votre justice. And for those who have been wronged and been... Et tous ceux qui ont été accusés faussement par, on l'a vu, hein, par les, le département de la justice américaine, betrayed. Et qui ont été trahis, I am your retribution. I am... je suis votre rétribution. C'est quand même quelque chose. On va aller écouter Donald Trump, encore une fois, qui parle du Deep State et de son programme. Dismantle the Deep State and reclaim our, to dismantle the Deep State and reclaim our democracy from... Faut défaire le Deep State. Le Deep State, là, il parle des États-Unis, mais c'est mondial. C'est tous ceux que je t'ai décrits avant, qui sont pas là pour toi, puis ni pour moi, là. Ils font rien pour nous autres. Ils veulent nous amener dans un régime complètement hallucinant et totalitaire. Il ne pourra pas l'arrêter, mais au moins, ça va éveiller le monde. Qui peut arrêter ça? C'est nous, en étant éveillés. C'est pour ça qu'ils veulent arrêter Donald Trump. Ils savent qu'il ne peut rien faire en 4 ans. Il va rien arrêter, là. Mais en 4 ans, il peut éveiller encore tellement de monde, comme il l'a fait, qu'à un moment donné, nous autres, on va tellement être éveillés que ce système-là, on va l'arrêter. C'est qui peut l'arrêter, ce système-là? C'est pas un homme, c'est pas une femme. C'est nous autres, quand on va décider, puis on va dire au système, enough is enough. C'est ça, le danger de Donald Trump. C'est pas, lui, il peut pas faire grand-chose, là. Penses-tu qu'il va être capable de démanteler le FBI? Non! Mais il est en train de te dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Puis qu'éventuellement, peut-être que ça va se faire. Peut-être que les populations, comme au Sri Lanka, tu as vu qu'est-ce qui s'est passé, c'est l'anarchie là-bas. Puis il y a des pays comme ça où l'anarchie est en train de s'installer parce que le monde en a jusque-là. Washington corruption, once and for all, and corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats. Donc, il dit, bon, je vais éliminer puis je vais faire congédier tous les bureaucrates corrompus et ainsi de... Non, mais on le comprend, qu'est-ce qu'il veut dire, comme je vous l'ai dit. Là, on va aller écouter Donald Trump qui, justement, est en train, quand il était à cette réunion conservatrice, le CPAC, qui va dire, justement, ce que lui est devenu, ce qu'il a fait du Parti républicain. Écoute ça, puis tu... Essaye de trouver le racisme là-dedans. C'est juste ça que je veux exposer, c'est la déformation faite par les médias d'un messager comme Donald Trump, parce qu'il expose toute la corruption de notre système, de nos politiciens, qui l'ont tellement facile parce qu'ils sont tous dans le même lit avec les médias. On écoute ce qu'il dit, c'est très important. To this destructive agenda with confidence and with resolve. The future of the Republican Party is as a party that defends the social, economic and cultural interests and values of working American families of every race, color and creed. Il dit le rôle du Parti républicain maintenant qu'il est là, c'est de défendre les intérêts du travailleur américain de toute race, de toute couleur, de toute religion et de toute orientation. Où c'est que tu vois le racisme là-dedans? Je voulais juste vous partager ça parce que je pense que c'est important de remettre tout en contexte. Puis d'arrêter d'être manipulé par ces gens-là qui n'arrêtent pas de déformer la réalité, déformer la vérité. Et que ce qui se passe en ce moment, c'est très important. Pas parce que lui ou un autre ou une autre va changer quoi que ce soit. Il n'y a rien qui va changer. On va s'en aller vers le numérique, on va s'en aller vers le dollar numérique, on va s'en aller vers le totalitarisme total, parce qu'on va le laisser faire, nous autres. Mais des gens comme Donald Trump, et probablement d'autres, éveillent de plus en plus de monde, et quand il y aura assez de monde éveillé, ben c'est là que ça va être renversé. Bonne fin de mercredi.